Bien, merci. Je voudrais vous entretenir ce matin d'un certain nombre de sujets liés à l'agenda du président de la République et, bien entendu, comme d'habitude, nous répondrons à quelques questions euh, d'actualité. Quoique le, le jeudi 9 ait été un jour férié, le président de la République s'est rendu hier à, à Lambaréné. Vous savez que nous sommes à, à quelques semaines des festivités marquant le centenaire. De l'arrivée au Gabon du docteur Albert Schweitzer. Et donc, le chef de l'État a tenu à se rendre sur le terrain à Lambaréné pour euh, évaluer l'état d'avancement euh, des travaux engagés, aussi bien en ce qui concerne la rénovation de cet nombre de structure que la construction de nouvelles. C'est ainsi qu'il a visité le centre hospitalier régional. Georges Rahouiri de Lambaréné, qui s'est vu doté de deux euh, nouveaux pavillons euh, avec euh, des équipements de dernière technologie. Euh, un des deux pavillons concerne essentiellement les maladies euh, tropicales. Il a également visité euh, la nouvelle salle de conférence qui devra donc abriter euh, les différentes euh, thématiques qui vont être développées autour de la, des célébrations de, de, du centenaire du docteur euh, Albert Schweitzer. De même, le président de la République euh, a été euh, se rendre compte de l'état d'avancement des travaux s'agissant du campus universitaire euh, en construction au niveau de l'hôpital Albert-Schweitzer, situé au quartier euh, Adouma de Lambaréné. Pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne savent pas, c'est une information euh, pour eux. Il faut savoir que la, la stratégie globale qui a été mise en place depuis quelques années et réaffirmée par le président de la République a consisté à faire en sorte que. Notre pays se dote de structures hospitalières euh, modernes, mais en même temps, on essaie de faire en sorte d'avoir des spécialistes formés sur place. C'est pour cela qu'il euh, y a la question des CHU. Euh, à Libreville, il y en a un certain nombre. Je crois qu'il y en a trois ou quatre CHU à Libreville. Si on compte euh, à Gonger, euh, au Vendo, euh, Libreville s'en fait trois. Euh, au niveau de l'Ambarnier également, il y a un CHU qui va être mis en place et d'où la construction de ce campus universitaire. Et ce CHU sera donc spécialisé dans la question de la recherche liée aux maladies euh, tropicales. Ensuite, le président de la République a visité la polyclinique du nouveau laboratoire de recherche et la nouvelle maternité en construction au niveau de l'hôpital albert Choisier. Sur chacun de ces chantiers, euh, on a pu se rendre compte de deux choses. La première, c'est que le, le chronogramme globalement qui a été fixé euh, est suivi, quoiqu'il y ait un certain nombre de soucis liés. Par endroits euh, aux intempéries, mais également aux problèmes de règlement euh, des entreprises en charge de certains dossiers. Vous le savez également, le président de la République, euh, euh, avant de se rendre à Lambaréné, a reçu un certain nombre de personnalités en audience, dont une délégation du Sénat français. Euh, cette délégation, qui est donc en charge. De, de, la, de la coopération avec le Gabon au niveau de, du Sénat a, a voulu échanger avec le chef de l'État gabonais, évidemment, sur les questions euh, bilatérales, mais également sur des questions de sécurité sur le continent africain. Euh, les sénateurs français étaient notamment euh, euh, soucieux de connaître la vision et la position du Gabon sur la situation au Mali et sur la situation en République euh, centrafricaine. C'est donc euh, un échange de vues qui a permis. Euh, au président de la République de présenter euh, au sénateur français la vision qui est celle du Gabon sur la question malienne, une question euh, essentielle de sécurité sur le continent, dans la mesure où euh, nous sommes partis d'une revendication euh, territoriale, d'une revendication indépendantiste, à finalement une action mêlée à des terroristes. Et donc ce terrorisme islamiste qui se déplace sur le continent euh, n'est plus très loin de la sous-région Afrique centrale. Et donc il y a lieu de faire en sorte que tout soit mis en œuvre au niveau de la communauté internationale pour que la question malienne ne soit pas regardée comme une question concernant uniquement le Mali, mais comme une question euh, régionale, dans la mesure où il faut mettre en place un certain nombre d'efforts, efforts effort de prévention, mais également efforts de stabilisation au niveau de toute la sous-région. Le, le mardi 3 mai, le président de la République a donc euh, euh, reçu le rapport euh, de la commission CEMAC. Il vous souviendra que le 22 janvier euh, 2013, le président de la République avait réuni la classe politique à la Cité de la démocratie et il avait euh, lancé deux sujets importants dans la réflexion de la classe politique. Euh, la question de la mise en œuvre effective de la biométrie conformément à la législation en vigueur et la question de la présidence gabonaise de la CEMAC avec euh, euh, la mise en étude d'un projet d'agenda. Les membres de cette commission, donc, qui était composée d'une quarantaine de partis politiques, sont venus restituer au chef de l'État le fruit de leurs travaux. Le domaine d'action prioritaire qui ont été retenus par les commissaires concerne des questions d'ordre administratif et institutionnel. Vous savez que la CEMAC est héritière de l'UDIAC. Un certain nombre de choses avaient été mises en place, préconisées, et il y a beaucoup de textes qui ne sont pas encore ratifiés par les États. Et donc, s'agissant de la présidence gabonaise de la CEMAC, l'agenda qui va être proposé au chef d'État de la CEMAC concernera également la ratification de certains de ces textes et la mise en œuvre d'autres. Il y avait des questions d'ordre économique, financier, monétaire. Avec la question de la mise en œuvre du programme économique euh, régional. Il est question de faire en sorte que la zone CEMAC se dote euh, d'un fonds de développement pour financer ces projets. Et le fonds avait été évalué à 500 milliards de francs CFA euh, pour démarrer. Ce sont des projets d'infrastructures. Ce sont des projets qui concernent également euh, des infrastructures énergétiques, des infrastructures de communication, de télécommunication, mais également l'agriculture. Et il y a également les questions de gouvernance. Vous savez que nous avons été confrontés dans l'espace CEMAC à un certain nombre de difficultés liées à la gestion de certaines de nos organisations euh, sous-régionales. Et donc dans la présidence Gabon, euh, il va être question d'examiner également ces questions de gouvernance et bien entendu la question de la libre circulation euh, des personnes. L'élément que nous venons d'indiquer s'agissant euh, des éléments terroristes euh, qui ont été actifs au Mali, et qui ont été neutralisés grâce à l'intervention de la France. Ces éléments de terrorisme nous amènent à regarder de très près la question de la libre circulation des personnes dans notre espace CEMAC. Vous savez que nous avons aujourd'hui au sein de la CEMAC un pays qui, est, qui se retrouve fragilisé, qui est en difficulté, du fait justement d'un certain nombre d'actions qui ont été menées et qui font que ce pays frère, est aujourd'hui en train de se reconstruire. Essayer de remettre en, en place euh, des structures qui fonctionnent, une administration qui fonctionne, un État en quelque sorte, et ce n'est pas toujours simple. Et donc de ce point de vue, euh, il y a lieu de faire en sorte que l'espace CEMAC, élargi à l'espace CAC, euh, se, se plonge de façon plus sereine, mais de façon déterminée dans la question de la sécurisation de ce pays frère, dans la mesure où, euh, à partir du moment où un certain nombre de frontières pourraient être... Euh, on va dire déplacés ou en difficulté, nous ne savons pas ce qui peut rentrer dans l'espace CEMAC. Et donc, sur cette question de la libre circulation, bien entendu, le Gabon est favorable, mais le Gabon entend mettre la question de la sécurité euh, en avant. Et puis, il y a bien entendu euh, la question de l'appropriation la, la, par les populations de l'espace CEMAC des projets CEMAC, de sorte qu'il y ait en quelque sorte une CEMAC euh, des peuples, parce que pour le moment, on a le sentiment que la CEMAC est un projet éloigné des préoccupations quotidiennes des populations de notre euh, espace. Donc voilà pour ce qui est des éléments qui ont constitué l'agenda du président de la République cette semaine. Et comme je vous l'indiquais, euh, il y a un certain nombre d'actualités par ailleurs. Euh, une actualité euh, qui concerne des projets d'avenir, je parlais tout à l'heure de, de, du centenaire, mais il y a également la deuxième édition du New York Forum. Euh, euh, je crois que ce matin, il y a, il y a un certain nombre d'informations qui sont données liées à, à cela. Mais euh, la communication liée au New York Forum se fait et se fera par les responsables de l'organisation. Donc, lorsque vous me poserez vos questions tout à l'heure, je ne répondrai aux questions liées au New York Forum. Merci de votre attention.